Alors, avant Saint-Plon, j'étais plutôt orienté dans le commerce, donc j'ai fait une école de commerce. J'ai travaillé pendant plusieurs années en tant qu'agent immobilier et par la suite, j'ai travaillé en banque en tant que conseiller financier. Je travaille donc pour Alira, qui est une école, un centre de formation qui est spécialisé sur la technologie blockchain. Et du coup, on propose des formations à distance et en présentiel. Donc depuis plusieurs années, je suis passionné d'informatique. J'ai créé plusieurs sites internet, dont notamment un média spécialisé sur la blockchain. J'ai découvert en fait Saint-Plon à la télé. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas intégrer justement cette formation, puisque en fait, je recherchais une formation qui soit pas totalement à distance, mais en présence avec les formateurs, qu'on soit accompagné tout au long de la formation. Au cours de la formation, on a vu quelque chose que je ne connaissais pas du tout, en fait, c'était l'agilité. Toutes les méthodologies, que ce soit Scrum, Kanban, la méthodologie en cascade ou des choses comme ça, la gestion de projet en agilité, c'était une découverte totale pour moi, puisqu'effectivement, je n'étais pas du tout au courant qu'on pouvait gérer des projets de cette manière. Qu'est-ce que je vais faire dans 10 ans ? J'en ai aucune idée, mais je pense que du coup, je vais rester au sein d'Alira, puisque effectivement, je pense que la technologie blockchain a beaucoup, beaucoup d'avenir. Non, mais mon meilleur souvenir du coup à Saint-Plon, c'est vraiment la cohésion de groupe. C'était vraiment important, l'ambiance, effectivement, était vraiment cool. Et c'est ce qui nous a permis de motiver les uns et les autres, beaucoup, beaucoup d'entraide. Si vous souhaitez rejoindre la formation, je peux que vous conseiller, puisqu'effectivement, c'est vraiment une très bonne formation. Avec beaucoup, beaucoup d'accompagnement, que ce soit pendant la formation et à l'issue de la formation, on est vraiment accompagné, on a vraiment un soutien et on reste toujours en contact, en relation. Et ça, c'est vraiment très, très important.